자원봉사자들의 힘으로 18년째 이어지고 있는 파리 한국영화제도 성황리에 진행됐습니다. 개막작으로 선정된 유승환 감독의 밀수와 폐막작인 허진호 감독의 고통의 가족은 영화제 시작 전부터 매진, 장단편 77편이 상영된 영화관 대부분이 관객들로 가득 찼습니다. 저희 성형공부를 자기들이 고백을 받았는데 전 가정이 있어요. 참석한 유승환 감독은 한국 영화에 대한 프랑스 관객들의 반응을 지켜본 산 증인입니다. 2011년도였는데 파리에 있는 그 유학생 그 영화제를 방문할 때마다 상영관이 이곳으로 바뀌고 관객들이 점점 늘어나고 점점 영화제가 수정하는 모습을 보면서 굉장히 감격적이었어요. 지금은 제가 가장 사랑합니다. 제18회 파리 한국영화제 폐막식에 오신 모든 분들께 진심어린 감사의 말씀을 드립니다. 예, 파리 한국 영화 Voilà des mois de préparation, de réunion, de stress, de doute, de fatigue, de nuits courtes, d'excitation quand même aussi pour mettre sur pied ces 8 jours de cinéma coréen qui s'achèvent ce soir. Comme toujours, c'est passé beaucoup trop vite et nous allons vivre ces dernières heures de festival entre mélancolie et joie et nous allons vivre intensément cette dernière soirée, ces dernières heures du festival, en essayant de ne pas trop pleurer. Spoiler, c'est pas gagné. 언제나 그렇듯 영화제는 너무 빠르게 지나갑니다. 짧은 시간 동안 너무나 많은 희노애락이 지나가죠. 우리는 끝까지 울음을 터뜨리지 않기 위해 노력합니다. 스포일러를 해드리자면 저희는 매년 많이 울곤 합니다. Merci. Merci à toutes et à tous qui êtes présents dans la salle et qui est présent depuis le début du festival. C'est grâce à vous si le festival aussi tient sur pied, grâce à vos échanges, à vos sourires, aux émotions qu'on peut partager avec vous, en plus des films. C'est aussi tout ça qui nous motive. J'espère que ça vous a plu. Oui. Ouais. C'est ça, le oui était petit, évidemment.
Alors, on remet ça en 2024. On va le confier en coréen, d'accord. 한국에 오신 관객분들께 진심으로 감사의 말씀드립니다. 저희가 영화제를 계속 해나가는 이유는 여러분들께 영화를 보여드리기 위해서 뿐만이 아니라 영화에 대해서 이야기를 하고 감정을 나누고 함께 웃기 위해서입니다. 지난 8일간 영화제가 즐거우셨나요? 네! 그럼 저희는 내년에도 다시 찾아오겠습니다. Je découvre que la salle entière parle coréen. Nous allons passer au traditionnel remerciement du festival. Vous connaissez le principe, alors je donne aucune instruction ce soir. Oui. Alors, nous remercions le directeur du Centre culturel coréen en France, Monsieur Lee Il-yeol. 주 프랑스 한국문화원 이일열 원장님 자리해 주셨습니다. 알ors de qui la France, Monsieur Gaël de Beauchesne, 16 directeur. 기아자동차 프랑스 가일 드 보셴님 자리해 주셨습니다. 그 directeur d'Asian Airlines à Paris, Monsieur John Jong-woo. Pas besoin non plus de crier sur ceux qui applaudissent mal, c'est pas grave. Ça fait partie du folklore de la salle de clôture. La directrice de l'agence EPS, Madame Yéblin. Le producteur de Keystone Film, M. Nam Yoon-suk. Keystone Film, Nam Yoon-suk, Tony, j'allais vous dire. Nous remercions également les réalisateurs et réalisatrices invités du festival qui sont encore présents parmi nous ce soir. Et puis, vous pouvez aussi les contacter, je suis sur les tests de Kamdongin de l'été, comme ça, nous avons dit. Un réalisateur. J'étais trop pressé. La réalisatrice de Hate to Hell, Madame Im Ho-jong. Le réalisateur de The Ripple, Im Sung-hun. La réalisatrice de Remember Our Sister, Jo Ha-young. Avant de passer au palmarès, je vais appeler à nous rejoindre sur scène le directeur du Centre culturel coréen de Paris, M. Lee Il-yeol, pour un discours. Bonsoir. Bon, vous savez, j'avoue que je suis, pour la première fois, je suis arrivé en France il y a 37 ans, 1986, quand je suis arrivé en France, c'était il y a une émission que j'ai regardée, c'était un Frédéric Mitterrand, je crois, il a hurlé le mot « Bonsoir ». Je me souviens très bien cette émission. Comme notre animateur de ce soir, David, il a annoncé tout à l'heure, notre festival de films coréens de Paris, déjà à sa 18e édition. Je suis vraiment très ravi de participer, l'honneur de participer à cette cérémonie de clôture de la 18e festival. Comme je vous ai indiqué déjà à l'ouverture, je suis vraiment sincèrement, avec grand plaisir de participer et d'être ici avec vous ce soir. Le public français, c'est le plus grand gagnant, c'est le plus heureux gagnant de ce festival. Et puis, en même temps, j'aimerais bien souligner tous les bénévoles.
tous les bénévoles ici, Tessa Della. Est-ce que je vous souhaite un très fort applaudissement, s'il vous plaît? Grâce à eux, notre existence sera très brillante. Et ce soir, ils sont vraiment des stars. Comme David a indiqué tout à l'heure, des trois futurs grands réalisateurs, réalisatrices, qui vont bientôt peut-être avoir 5 millions, 10 millions de spectateurs dans la salle, j'espère. Comme Yusuman a été rempli par 13 millions, je crois, le dernier film de l'Éternel. Alors, donc, j'ai déjà préparé des discours, mais je ne veux pas, pour la dernière fois, je ne veux pas de louper, mais il y a un seul mot que notre ambassadeur qui ne peut pas venir ce soir, malheureusement, il vous dit merci à tous et éclatez-vous. Merci, monsieur le directeur. Il est à présent temps de vous révéler le palmarès de ce 18e festival du film coréen à Paris. Nous allons commencer par les courts-métrages. Et pour cela, j'appelle à nous rejoindre sur scène le célèbre Julien Chardon, responsable de la programmation des Shorts. Il n'est pas monté par le bon premier. Merci. On est au point. Merci mon cher David. Cette année, ce sont 6 films qui se sont alliés à la part du lion en remportant les prix des diverses sélections. 6 films, ça représente, pour vous donner une idée, 1% des films reçus. 감사합니다, 다비드. 올해는 선정된 33개의 단편 중에 6개가 수상을 했습니다. 6편의 영화는 올해 저희가 초청한 단편의 1%를 뜻합니다. 그만큼 대단한 작품들이었다는 거겠죠. C'est dire si leur mérite est grand. Et on va commencer par remettre les prix, les votes du public pour la séance Short Kids. Short Cut Kids d'abord, c'est Patrimony de John Zoubet. Et pour la section Strange Cut, c'est l'effroyable Jongdong de Che Woo-jin qui a marqué au fer nos spectateurs les plus téméraires. Shortcut Kids 섹션에서는 정승배 감독님의 건전지 엄마가 수상했고 무서울 것이 없는 우리의 영화제의 관객들은 스테이지 컷 섹션의 최우진 감독님의 정동을 선택했습니다. Il est certainement temps pour remettre le prix des étudiants dans le désordre alphabétique à Namazouzi, Jinbong Kim, Adrien Leliot, Clément Guénaud et Bartholomé Dreyfus. Anna, dites-nous quel film avez-vous primé, à quel film avez-vous décerné votre mention des étudiants? Anna에게 물어보겠습니다. 올해 학생 심사위원 수상한 작품은 어떤 영화인가요? Bonsoir, 안녕하세요. donc c'est un honneur pour nous d'avoir participé cette année au Festival du cinéma coréen. En tant que jury, donc, je vais nous présenter rapidement. Nous sommes Jim Bom, Bartholomé, Adrien et Clément. Et moi, Anna. Voilà, nous voulons tout d'abord féliciter l'ensemble des candidats qui ont envoyé leurs travaux et qui ont été sélectionnés. Vraiment, on a été impressionnés par la qualité, le niveau des films qu'on a vus
vraiment, ils ont tous fait un travail remarquable, donc ils méritent ces félicitations. Et pour nous, le choix a été très difficile, mais comme malheureusement on doit être bien tranché, donc notre choix s'est porté sur un court-métrage en particulier qui nous a vraiment touchés par son histoire et par, par la splendeur de, visuelle. Voilà, donc c'était vraiment touchant. Et donc, je vais annoncer maintenant les gagnants, sans trop tarder. Donc, félicitations à Lee Jong-un pour les films Architecte A. Paris 한국영화제의 흑생기사를 얻게 되어 영광이며 이런 기회를 주신 분들께 모두 감사드립니다. 올해 한국 단편영화를 출품해 주신 모든 분들과 경쟁에 선택되신 모든 후보자분들께 감사와 축하의 말씀을 전합니다. 저는 영화를 보며 많은 감동을 받았고 한국 영화의 위상에 놀라지 않을 수가 없었습니다. 그리고 영화 건축가이의 이종우님 축하드립니다. 영화의 영상미와 모두가 공감할 수 있는 각본의 흑생심판단은 해당 작품으로 수정하게 되었습니다. 감사합니다. au prix décerné par le jury professionnel de la compétition. Et pour ça, je vous demande d'applaudir Marion Jameau, réalisatrice, auteure-réalisatrice de films de fiction, Romain Daudéjean, réalisateur de films d'animation, pardon, pour Marion Jameau, Romain Daudéjean, réalisateur de films culturels, et Kevin Rousseau, producteur de films à la fois d'animation et de films de prise de vue réelle, s'il vous plaît. 감사합니다. 이제는 영화인 심사위원을 무대로 부르겠습니다. 애니메이션 작가 겸 감독인 마리온 자모, 영화 감독인 로만 도디자언, 그리고 애니메이션 및 영화 프로듀서인 케빈 루소. 안녕하세요. Pour commencer, je crois que vous avez une belle histoire à nous raconter et parce que vous avez décerné une mention spéciale. 올해는 단편 경쟁 세션에서 세 개의 작품을 시상할 예정인데 하나는 특별한 상을 드린다고 들었습니다. 안녕하세요. Bonsoir. Donc pour commencer, oui, nous étions heureux et nous tenions à remettre, avant de remettre les prix classiques du festival, une mention spéciale du jury au très beau film de Lee Sung-gang qui s'appelle Shape of Wind, qui a su nous toucher en nous plongeant dans une fable à la fois cruelle et envoûtante. 작품에서도 매력적인 우화에 빠지게 해준 이성강 감독님의 바람의 모양에 심사위원 특별 언급을 드리고 싶습니다. 감사합니다. 이제는 키스톤 최우수 시나리오상으로 넘어가겠습니다. 알ors, nous avons le plaisir de remettre le prix du meilleur scénario au film Claire Thomas de Byung Jin-woon, qui nous a beaucoup surpris par la trajectoire qu'il emprunte en partant d'une comédie fantastique pour finir vers un drame optimiste. C'est un film qui nous a amusés, déconcertés, questionnés, encore amusés, et qui a fini par nous cueillir dans son final très touchant. 네, 판타지 코미디를 시작으로 신기한 드라마로 이어진 여정을 보이며 큰 놀라움을 주었던 변상원 감독님의 기형종에게 키스톤 최우수 시나리오상을 드리도록 하겠습니다. 이 영화는 우리를 즐겁게 하고 당황하게 하고 질문하게 하고 다시 재미를 주는 마침내 감동적인 결말을 맞이하게 했습니다. 이제 기아 최우수 애니메이션상은 어떤 작품이 수상했나요? Bonsoir. Alors, nous avons le plaisir de remettre le prix du meilleur court-métrage d'animation à Architecte A de Lee Jong-un, un film qui déploie un sujet sombre dans un univers doux et ludique où des moments de vie deviennent des matériaux de construction. Il a su nous toucher par sa générosité,
sa poésie et son monde parsemé de bons plats et d'animaux mignons. 이종훈 감독님의 건축가 A의 최우수 애니메이션 단편상을 드리게 되어 무척이나 기쁩니다. 건축가 A는 인생의 순간들이 건축 자세가 되는 부드럽고 장난기 넘치는 세상에서 어두운 주제를 펼쳐내는 영화입니다. 이 영화는 인생을 대하는 관대함, 시, 그리고 탐스러운 음식과 귀여운 동물들로 저희를 감동시켰습니다. 무대로 기아 자동차 프랑스 가엘 드 보조님을 무대로 모시겠습니다. 최고의 영화를 수상하겠습니다. 무대 앞으로 무대 앞으로 아시아나 파리 전종훈 지점장님을 무대로 모시겠습니다. Et nous avons le plaisir de remettre le prix Fly Asiana du meilleur film à Hometown de Heo Ji-yoon, qui a su nous toucher avec sa mélancolie urbaine traversée par une idée, ou plutôt une croyance, celle que la beauté et la poésie peuvent rassembler les individus, aussi solitaires soient-ils. 네, 플라이아샤나 최우수 단편상을 허지훈 감독님의 가정동에 드리게 되어 정말 큰 영광입니다. 가정동은 도시적 우울함과 함께 재치 있는 아이디어 그리고 인간에 대한 믿음으로 우리를 감동시켰습니다. 또한 아름다움과 시는 고독한 인간들을 연결시킨다는 것을 깨닫게 해주었습니다. court-métrage sera l'invité l'an prochain pour une séance spéciale qui lui sera dédiée. Ce sera l'occasion de voir, revoir, re-revoir ce film Hometown pour ceux qui le souhaitent et découvrir ses précédents travaux et également s'entretenir avec lui. 네, 여러분 모두 이미 아시겠지만 플라이아샤나 최우수 단편상 수상한 감독님에게 내년 파리 한국 영화제에 초청을 받고 특별 상영을 하게 되는 영광을 드립니다. 허지훈 감독과 함께 가정동을 다시 볼 수 있는 기회와 감독님의 이전 작품을 볼 수 있고 함께 이야기를 나눌 수 있는 시간을 내년 파리 한국 영화제에서 만나실 수 있습니다. 감사합니다. Merci à Julien et son équipe et à nos très chers jurés pour ce palmarès. Alors nous allons désormais annoncer le film qui a remporté le prix du public dans la section paysage chez les longs métrages. Ça frémit dans la salle. Et j'ai l'honneur d'annoncer que le film qui remporte le prix du public, c'est le film Pifol de Björn Sundin. Alors j'en profite pour rappeler que le festival avait programmé le court-métrage Ghost Daughter Dances il y a quelques années de ce même réalisateur et qu'il est disponible sur la plateforme Bref. Donc c'est une belle histoire qui continue entre Björn Sundin et le FFCP. Et
단편 영화 플랫폼인 F에서 보실 수 있습니다. 저희 영화제와 변성빈 감독의 특별한 인연이라고 할 수 있겠습니다. Alors le moment est venu pour un beau moment d'émotion pour toute l'équipe du festival. C'est le moment où je vais appeler à nous rejoindre sur scène toute l'équipe, tous les bénévoles qui ont œuvré durant ces 8 jours pour faire que le festival se soit aussi bien déroulé. Donc je vous demande de les acclamer. Tous en position. Rejoignez-nous sur scène, toute l'équipe. À la technique, à la presse, au partenariat, à la programmation, tous les invités. Voilà, voilà. On continue à monter. On continue. On continue à monter. 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 Devant, voilà. Approchez, approchez, approchez. On monte. Il y en a qui peuvent s'accroupir devant. Restez pas dans l'ombre. Avancez, avancez. Voilà. Je sais pas quoi dire. Là, j'ai pas préparé le truc à ce moment-là. Donc, merci à tous et à toutes. Merci à eux. Merci de les remercier avec vos applaudissements. Ils ont fait un travail formidable. Quelqu'un veut dire un petit mot? Non? Personne veut dire un petit mot dans l'équipe? Non? Non? Si, si. Merci. Personne d'autre? Non? Bon, ah si, Max, il veut parler. Allez, on donne la parole à Max, notre chef technique. Merci. C'est une question que je rappelle, hein, c'est avant. Avant que tu parles, bah non. Maxime, attends, je vais t'arrêter. On espère qu'on va vous revoir aussi nombreux l'année prochaine, en fait, parce que cette année, vous avez fait plaisir, vous étiez très nombreux. Et voilà, l'année prochaine, c'est tout ce que j'avais envie de dire. 올해 많은 분들 오셨는데 내년에도 올해만큼 많은 분들 와주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. On vous salue en déclarant officiellement fermé ce 18e Festival du film coréen à Paris. Mais merci quand même. On vous embrasse tous. Merci. Alors, où en est-on? Alors, on va parler du film de clôture, quand même. The Normal Family, de Hojino. Donc, il s'agit du tout nouveau film de Hojino. Si vous aimez le cinéma coréen, vous connaissez forcément ce cinéaste qui a commencé sa carrière à la fin des années 90. 패막적인 고통에 가족은 허진호 감독의 신작으로 한국 영화를 오랫동안 사랑해 주신 관객 여러분이라면 90년대 허진호 감독의 영화들을 분명 기억하고 계실 겁니다. Alors quand on parle de Hojino, on pense souvent à Christmas in August qui date de la fin des années 90. Moi, quand on parle de Hojino, je repense à notre édition 2020. Nous avions passé Forbidden Dream, qui s'était improvisé film de clôture un soir d'octobre où deuxième confinement avait été annoncé. Et on avait terminé le festival dans les larmes avec ce film qui n'était pas prévu pour être le film de clôture et qui s'est transformé en film de clôture au bout de 48 heures de festival. 네, 허진호 감독님을 이야기하면 항상 한국 영화 멜로의 걸작인 8월의 크리스마스를 떠올리게 되죠. 하지만 저는 개인적으로 허진호 감독의 최근작인 천문을 떠올리게 되는데요. 2020년 파리 한국 영화제가 봉쇄령으로 팬데믹 사태 때 봉쇄령으로 인해서 갑자기 문을 닫게 되었을 때 마지막 상영작이 바로 천문이었습니다.
Donc c'est un joli clin d'œil que finalement il arrive avec son nouveau film à faire une clôture officielle du festival. Donc c'est A Normal Family, un film adapté d'un roman de Herman Koch, Le Dîner, que vous avez peut-être lu, il a été traduit en France. C'est un film qui a fait sa première mondiale au Festival de Toronto mi-septembre, donc c'est une belle exclusivité, c'est la toute première projection en France. J'aurai d'autres choses après, mais je vais essayer. 네, 그때 이미 호시노 감독의 영화가 파리 한국영화제 폐막적으로 상영된 전례가 되었다고도 할 수 있겠네요. 네덜란드 소설가 헤르만 코시의 원작 소설을 영화화한 이 작품은 토론토 국제영화제에서 처음 상영되었습니다. 아직 한국에는 개봉도 하지 않은 영화인데요. 저희가 여러분께 오늘 저녁 처음으로 선보일 수 있게 되어 정말 기쁘게 생각하고 있습니다. Vous allez voir, c'est un drame familial à la tension digne d'un thriller et porté par un quatuor de comédiens formidables. Ils sont tous derrière moi, Sol Kyung-gu, Jang Dong-gun, Kim Hye et Claudia Kim, que vous reconnaissez peut-être. Nous remercions évidemment chaleureusement le distributeur français du film, Diafana, qui nous permet de faire cette avant-première exclusive plusieurs mois avant sa sortie française. Alors je rappelle, parce que je ne suis pas sûr que Julien l'ait dit, qu'avant la projection du film A Normal Family, nous allons projeter donc le court-métrage Hometown qui a reçu le prix Fly Asiana ce soir du meilleur film. Donc voilà, il y aura le court-métrage avant le long-métrage. Voilà, j'en ai quasiment fini parce que cette fois c'est fini la cérémonie de clôture, c'est fini le 18e festival du film coréen à Paris. Merci de nous avoir suivis pendant ces 8 jours et de nous avoir attendus toute l'année et de nous suivre depuis toutes ces années. Merci au Publicis pour ces 10 années déjà passées à nos côtés. Merci personnellement à toute l'équipe du festival, je vous aime tous. Et on vous donne rendez-vous du 29 octobre au 5 novembre 2024 pour la 19e édition. Et 개인적으로도 파리 한국영화제 모든 스태프들에게 사랑한다는 말을 하고 싶습니다. 제18회 파리 한국영화제는 여기서 폐막합니다. 저희는 내년 10월 29일부터 11월 5일까지 제19회 에디션으로 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 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 감사합니다.